Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Ou bonsoir, je sais plus. Bref, peu importe. Donc retour sur. Hein. On va retourner avec D'Artagnan se battre. Ah oui, j'ai pas réglé ça. Putain, je suis un salaud. Je me suis juste refait un café, hein, je vous l'avais dit. Waouh. Grosse option. Grosse option. Grosse option. Ah oui. Pas content. Ok, elle est pas contente. T'es sûr qu'on peut pas la renommer là, ma choupette là? Click to rename. Ah, ça y est, c'est ici qu'on peut. Darta Nia, voilà. Ok, on peut close. Ok. Bah on va go explorer avec elle. À première vue, on pouvait retourner là-dedans. Blessing. On n'a qu'un seul donjon. Je sais pas comment on va débloquer les autres, mais. Quelle est notre quête là-dedans? Alors déjà ça a entièrement retapé le donjon. Square. Ah, y a un boss. Defeat the Rat King. Waouh. Ok. Là on sait qu'on va chercher le boss des rats. Là j'ai envie de placer ça. Oh, je peux pas le placer là. Non, c'est dégueulasse. Ça pour la très bonne raison que si jamais je suis forcé de faire demi-tour pour remonter, je vais enchaîner un maximum de combats pour avoir un maximum de loot avant d'arriver au boss. Donc oui, Tignon Madef, ok, pas de soucis, je connais ça. Bah, si le boss est pareil, qu'il prenne des gifles à 2 ou à 3 en ignorant la def, ça le journée. A sorry tale, a gory story, another hero dies for glory. In the ground they rest the head. Dead, dead, dead. Oui, dead, dead. Death, dead. Pas de bonus pour cette fois, ok. On a gagné 39 balles à suicider quelqu'un. Alors ça par contre c'est trop triste que j'ai perdu genre mon armure et tout. Tasui. Moi j'ai envie de l'appeler Tassoun. Petite tasse. Ouais, on va la garder Tassoui, c'est bien. C'est mignon. Pourquoi je peux pas? Ça me dégoûte. Bon bah hein? Ah, on peut expandre avec 0$? Est-ce que t'as des choses gratos? T'as fait quoi ça? 4 burglars. Ça me débloque juste un mec, c'est ça? Je comprends pas l'idée. Ça me débloquer une pièce de stuff. Ok, qui va me permettre de choisir plus de lootage. Fire Spirit. Donc ça, ok, ça me sort aussi un perso, mais... plus 1 au premier dommage physique dans la bataille. For first to fight. Pour les deux premiers combats. Ok. Ah d'accord, et là en fait c'est ici que je vais pouvoir... ok, je me demandais ouais sur la forge qu'est-ce qu'on peut faire, donc il me faut 16$ de plus, effectivement il me faut 50, et je pourrais créer une pièce de stuff. Le truc... Ah par contre c'est 16 pour... Ah oui parce qu'il y en a un, c'est ok, c'est la cote de maille physique, donc il faut d'abord faire la cote de maille. C'est urgent, et peut-être ensuite la masse. Bon bah resuicider quelqu'un du coup, hein, super. Hein, On entre dans le guinjon. Donc, éviter. Je vois pas ça défoncer. Ok. Éviter de se mettre des rats. Plutôt aller chercher des.
les chauves qui sourient. Eh mais merde, je me suis trompé, c'était des rats qu'il fallait mettre et pas des giants qui sourient. Me bolte la face. Or, si je dis pas de bêtises, mes boucliers, vu qu'il y a du bleu et du rouge dessus, ça va défendre contre la magie et contre le physique. Et ça me fait perdre par dommage un point de vie. Voir ça pour lui, c'est la question. Non, c'était pour moi, donc en plus de ça, ça me colère dommage supplémentaire. Donc là, théoriquement, il en enlève deux si je peux. Il gagne un point de vie, d'accord, il me draine de la vie, je sais pas dire. Le problème c'est qu'il joue en premier quand il batte la figure. Ça c'est terrible. Ça je peux le bloquer. Ça se bloque pas. Voilà, là le problème que j'ai c'est que... Ouais, c'est heureusement... la bonne ici, on avait testé, hein, ça valait le coup. La couronne était cool. Un cul-de-sac, ça va. Un knoll. Ça là, hein, ça c'est cordial, hein, ça c'est tout de suite. On peut se faire ça en fonction, voilà, je pense qu'elle va choisir de piquer à droite. Ah non, elle pique tout droit, ok d'accord. Hop, on peut se glisser ça ici. On se fait un joli donjon, hein, regardez, c'est joli, c'est esthétique, c'est incroyable. Là, on va se faire un rush-by à première vue tout droit sur le seigneur. Ça c'est quoi? C'est Fountain of Knowledge. Est-ce que si je mets le poillon là, tu vas... pique au milieu, moi c'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce que tu vas choisir de faire ça? Donc, je peux pas bloquer, donc les troncs pour. On va te bourrer. Je peux bloquer, même ça n'a pas grand intérêt, je pourrais te bourrer tout droit. Je sais qu'il y a des attaques que je pourrais pas bloquer. Donc... j'essaie de jouer intelligemment, même si je peux que bourrer comme un gros sourd. Théoriquement, là, j'ai le niveau pour bourrer comme un tas. Enfin, il faut quand même avoir le coup, ça balance des patates par deux. Ça discute.
ça me donnerait du feu, du blast de magie. Le bash est intéressant. Hein. Thank you.
Déjà un cimetière, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi il me dit que... C'est marrant parce que ça remplace pas mon arme, c'est genre comme si j'ai le droit à une deuxième arme en plus. Et ça, ça remplace. Est-ce que le fait d'avoir... déjà équipé, ce sera vendu pour 2 gold? Ok. Bah, je vais juste prendre du pognon maintenant. Ah d'accord, et ça me pose du pognon pour la... Pour en fait... ok, ça me donne une carte de pognon. Donc en fait, j'aurais dû prendre le cimetière. Ça m'aurait donné tout de suite 2 goldas. Je veux pas, il y a déjà du fric dessus. Si je te mets de l'argent derrière, tu vas le chercher ou rien à cirer? S'il me frappe, il perd. Ah ouais, mais j'aimerais tester ça. On testera après. The ivory league of explorers. Instead, you pillage and plunder and rip everything asunder. You're just a reckless bunch of marauders. Bon, GG à nous, mais j'ai pas ramassé genre le loot qui est derrière ça, c'est un peu vache. C'est un peu vache parce que tu te mets un loot avec le boss. Et d'ailleurs, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse cumuler les cartes de loot sous le boss. Ça serait top. Genre vraiment, tu joues toutes tes cartes de trésor, tu les mets derrière le boss, si t'arrives à le battre, t'es refait. New, j'ai un nouveau cimetière. C'est quoi l'idée? La Trophy Room. Ah bah la Trophy Room, ici, hein. Une queue de rat. Caught up in all this doom and gloom of all the places you've wrecked, it's nice to have a big trophy room. A place to quietly reflect. C'est beau. Il est temps de forger. La légende raconte qu'ici, j'avais le droit de forger des trucs. Donc moi, je veux partir tout de suite avec une armure, s'il vous plaît. Pourquoi je veux pas? Je veux forger. Je veux forger. Comment je forge, s'il vous plaît? S'il vous plaît, laissez-moi forger. Elle est pas contente. Ayman d'Artagnan, ok, oui, on est au courant. Je voudrais forger quelque chose pour un compagnon, camarade. J'ai pas la thune ou c'est comment? Tu te fous de la tête de qui, là? J'ai pas le choix sur mon personnage, mon Johnny. Ah, peut-être si. Trade stats, combat de card, machin... Démarre avec Arcana 1, personnage de type magicien, d'accord, mais en fait, yes. Ça ferait commencer avec un nouveau perso, est-ce que j'en ai pas rien à cirer? Alors, est-ce que t'es revenu niveau 1 ou t'as gardé ton niveau, toi? Pour la vue, c'est des personnages qui reviennent niveau 1. Tout est réinitialisé en fin de donge. Ah, tout n'est pas bien fait, c'est dommage. C'est dommage. Tout n'est pas... plus 1 point de vie pendant les 2 premiers combats. Ça, j'aime bien le style. Mais encore faut-il que... Voilà, j'ai quelque chose... Tu vois, c'est pas... J'ai l'impression de me faire douiller sur les trucs que j'achète, donc...
viens de me faire douiller là. C'est pas un bâtiment, c'est ça? Expandre ma guilde. Ouais, super, je me suis fait ultra douiller, non? C'est ça? Bon, bah, go explorer, hein. What's this? There's more, a whole world to explore. Why there's gold to be found and treasure in store. But what's the point, you're all hit and miss? It's so plain to see. You're not cut out for this. Ok. Bon, bah, ça fait déjà 20 minutes. On s'est fait, certes, un seul donjon, mais c'est... Le gars a barré à la place de Mémignon, mais Larbin, là. Il a barré, a fait employé. Et puis, en plus, j'ai fini mon café. Donc, continue. Et voilà. Donc, succès. Alors, question, est-ce qu'on peut refaire ce donjon ou pas du tout? Non, on sera obligé de faire un nouveau donjon. D'accord. Eh bien écoutez, on se retrouve pour un nouveau donjon, on verra ce que si j'ai balancé encore 52 réputes dans le vide pour rien ou pas. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao.